joueur semble touché aux ischio-jambiers, mais rien de bien grave. Il reste sur le terrain en tout cas. Merci pour ces informations. Et bonjour tout le monde, c'est les Cheetah Men. Salut à tous. Allez, on se retrouve pour la quatrième épisode de cette cut, hein, la Cheetah Ultimate Team. Cut épisode 4, effectivement, intitulé We Are the Champions, où il n'y aura pas de titre si on ne gagne pas la finale. Voilà, hein, c'est ça, c'est... parce que regardez, la coupe brille, de la finale brille de Elle nous tonte en fait, elle brille, mais on l'aura pas, elle est en transparence, t'as vu, donc on l'aura pas. Regardez. Venez jouer, venez perdre un petit peu, hein, c'est ça. Donc ouais. On peut dire cut épisode 4, deuxième, hein, parce qu'on avait tenté. On a fait une première tentative New, qui on s'est pris la tête, donc on l'a. Mais le mec en face, c'était un joueur en finale, c'est horrible en fait. Non, mais en fait, ouais. Le mec avait une team full argent et il nous a violé. Mais pas, c'est vrai. Pas forcément violé, mais c'est juste qu'il m'a pris la tête et donc du coup. Non, mais en fait, il a décidé de pas la faire. Il y avait un problème, c'est que. On a mis des cartes Pokémon dans nos joueurs et ils bougeaient pas en fait, les mecs. Je sais pas, il y a des bugs dans le jeu comme ça, donc ça bougeait pas. Donc bon, allez, on va d'abord commencer. Donc il y a une équipe de la semaine là qui est bien sympathique, ma foi, et il y a un Milanais. Montolivo, hein, qui a 84, donc il nous intéresse. Allez, donc on va acheter, on va ouvrir 4 packs, je pense, et puis essayer de faire la finale. Alors, normalement. Si on gagne la finale, on a un pack en or. Ouais, un pack à 5000, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Allez, on va essayer de choper des mecs parce qu'en plus, dans la présentation de ton jour, on avait rien chopé du tout. On avait acheté 4 packs, il y avait rien. Allez, c'est cette fois, traditionnellement, on ne regarde pas, bien évidemment. On prend les packs à 7500 pour avoir 3 rares, pardon. Allez, c'est apparu, pack rare, donc il n'y a pas déjà joueur rare à trouver. Allez, tu regardes, ça commence. Il y a Joaquim, pas mal, why not. Silva Pinto, Siquiera. Attends, pourquoi il est pas rapide lui? Alors pourtant, il a le drapeau, tu vois, il a le bon drapeau. Ouais, il a 75, c'est un gros noob. Il aurait dû être rapide, dans le mec en 75, normalement, voilà quoi. Ah, Joaquim peut. Joaquim, pas mal, hein. Faire quelque chose, 87 en vitesse. Soit Malaga. En dribble et tout. Ouais. Ouais. Attends, donc. On va l'envoyer. Ouais. Donc par contre, les autres. Bon, ça c'est Pepito, ça c'est à jeter. On les en Ligue 1. Ouais. Il retourne dans le paquet en fait. On referme le paquet, on le redonne au vendeur. Finalement, on n'a pas touché. 78 en vitesse, ça peut jouer. Ouais, il y a des GIL là, 78. Ouais, 80 en dribble, ça peut bien intéresser des Brésiliens. On va le mettre sur 350. Des mecs qui feraient une équipe full Brésil. Lui, là par contre, il sert vraiment à rien. Donc autant qu'il nous donne les 600 euros, qu'il rentre au bled. Il a de la tête, ouais, on va le. Ouais. Bon, je pense pas qu'on l'aurait eu pour plus de 600 euros. Hein, parce que force, on connaît les cotes. Les joueurs ne valent rien dans ce jeu. Magnifique dispositif 5-2-1. Ouais. Faudra qu'on essaie de jouer en 3. Oh, 3. Wow. Pour la peine, on va aller le vendre parce que j'en suis sûr qu'il y a les Troyens qui attendent. Qui attendent d'acheter le magnifique écusson. Allez, zou. On va aller vendre la forme. Ouais, ça part bien la forme. C'est un 100, 600, truc comme ça, normalement. Ça s'envole un peu. Non, 300. Ah ouais, ok. Clac, parfait. Un petit contrat, parce que ouais. Vas-y, tu peux les vendre. Ça part, hein, le petit contrat, c'est toujours ça de prix. Et l'entraîneur qui sert à rien. Donc, Cheetah Ultimate Team qui nous occupe quand même pas mal de temps. Donc, on va voir après par rapport à la continuité. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, notamment. Medal of Honor dans quelques jours. Oui, Need for Speed aussi. Burnout. Et c'est vrai qu'après, on fera des matchs contre nos abonnés. Donc, voilà. Je pense que le prochain épisode, il sera encore en classique. Et à partir de l'épisode 6, on jouera contre les abonnés. Hein. Après, on prendra la relève avec NBA Ultimate Team et Chrono Life Ultimate Team qui font que ça. Allez, deuxième pack, on regarde pas. Je sens une belle star là. C'est Messi sur la pochette, c'est Messi dedans. Iniesta, je sais pas, là, il y a du monde, attention. Voilà. Pourquoi Abdenour, pardon. Pourquoi Diego Cavalero et il est jeune comme Skartel. Il est jeune comme la carte. Hein. Et la Benayoun aussi. Pas mal. Allez, on va les lister parce que je sens que lui, il doit être acheté. On a le Vélodrome aussi, tiens, si tu veux. Et on a Astin en doublon. Donc alors lui, 119 en défense, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça peut le faire. Mais ça peut partir. Une carte rare, il vaut 600 et personne va l'acheter. Quoi, donc, oui, enfin, je pense qu'il y a tellement de joueurs que les gens ne cherchent pas ça, en fait. Hein. Voilà, d'ailleurs, hier, hein, tu as joué contre Messi et tu as mis la branlette. Ouais, j'ai mis 6-0. Voilà, parce que le mec, en fait, Messi n'est pas bon dans le jeu, de toute façon, il sert à rien. Benayoun, il y a 108 en vitesse. Tu crois que quelqu'un va aller l'acheter, sérieux? Mais personne n'en voudra jamais. C'est triste, quoi. Juste parce qu'il est connu presque, mais personne n'en voudra jamais. C'est vrai, c'est dommage, quoi. On va vous montrer notre nouvelle équipe parce qu'on a quelques nouveautés. Oui, on a quelques nouveautés. Un géant vert notamment, hein, qui a le même nom en tout cas. Alors, forme. Ça peut valoir quand même pas mal le zéro. Ouais, des petites 20, ça se vend parfois des 20. Donc tu mets 3 fois plus cher que la forme plus 60, hein, que tu mets. Tu l'es mis c'est à 300. C'est une carte rare, ça? Sérieux? À 5 défenseurs? Pour un entraîneur en plus. Et c'est qui joue? À limite 3, oui. Parce qu'il faudrait qu'on essaie de. Oula. Ah, le boucher d'Edimbourg. Je vais le mettre pour Riyad 150, c'est une petite combine, il va l'acheter. Ouais, ah, bon, Astin, bon. Dois travailler, tire
Bon, sinon, mourir dans le lac. Ah, rigole pas, ouais. Snack, il fait entraînement. Il est marrant, mais bon, c'est perso ça. Il est pourri, personne n'en veut. Bon, regardez quand même les contrats. Moi, j'avais 2-3 pages encore. Deux, là, j'ai 57 consommables sur 75. Ouais, c'est vrai, ouais. Autant les vendre, sachant que ça part. Hein. Approvisionne. Voilà. Exactement, et pas apprivoise, hein. Ça ne voudrait rien dire sinon. Allez, les contrats, on les vend. Alors, c'est fastidieux parce qu'il faut tout le temps comme ça les vendre et tout. Ouais. Tu penses que ce n'est plusieurs pour les vendre au même prix, plusieurs ou comme ça, quoi. Ça serait une piste à explorer pour le gameplay. Allez, on va quitter parce que j'aime pas sa gueule, lui. Et puis on va aller à la boutique officielle. Voilà, il y a Messi. Je pense qu'on va dropper Messi. Merde, il n'y a plus Messi, c'est Jinko Binko. Allez, c'est parti, attention, regarde pas. Lionel Messi, voilà, Messi. Donc non, Messi, il reste à faire tout ce qui paye les FIFA points, ça on le sait. Fellaini, c'est bien ça. Arsène Wenger. Énorme, on le garde, plus 3 en contrat, donc on le garde. On va regarder, ouais. Ah, par contre, Fellaini, c'est peut-être pas mal pour ceux qui font une équipe belge ou première ligue. Ah, il est très bon en plus, il est très intéressant. On va aller voir combien il vaut, tiens, pas pour la fin. Oula. Ouais, mais lui, excédent, il est en train de mordre quelqu'un là. Pas mauvais lui. Hein. Pas mauvais du tout. Eh, franchement, un curage assez honnête hein, finalement pour l'instant. Je suis très content qu'on ait Wenger, c'est bien, c'est cool. Ouais, Arsène, c'est la première fois qu'on l'a en plus. Ouais, exactement. Bon, lui par contre, Pepito va Rodriguez. Oh, si, il peut partir. 39 en défense. 80 en dribble, ouais, c'est un peu. Arsène, 4-3-3 en plus. Oh putain, limite ça se vend. Limite ça pourrait se vendre. Bon, tu sais quoi, on va faire les bâtards. On va le vendre à 1005. Ça se vend à 5000, trucs comme ça, non? Quoi? Ouais, ça se vend cher, ils se battent avec entraîneur français. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis pas allé voir combien ils vaut les entraîneurs. Donc là, en fait, là, les mecs en commentaire vont dire trop lol, vous le vendez trop cher, bon, on s'en fout. Non, genre, il y en a comme Spalletti, tout ça, ils se vendent à 3000 les entraîneurs. Enfin, ça, il y en a qui partaient cher. Ouais, mais bon, faut vraiment être idiot pour les entraîneurs aussi. Oui, mais parce qu'en fait, ils voulaient, je sais pas, le mec plus la bonne formation plus la tribu plus 3 en contrat, quoi. Donc la tribu plus 3 en contrat, ce 3% se cumule et du coup, on bord 24, 30, des trentaines de pourcents comme ça. Alors là, ils sont très moches ces maillots. Ah, ils sont normalement d'extérieur. Peut-être qu'ils peut intéresser. T'es une veste en tout cas. Il est pas trop moche. Hein, ça se fait en fonction de l'esthétisme. Les maillots que les gens achètent, du coup, ils achètent un peu tout et n'importe quoi. Vous avez vu qu'on a un nouveau logo. Ouais, un très beau logo de la division danoise. Allez, Cheetah Nation. Le petit amène. Hein. Le dernier pack pour cet épisode. C'est bien 4, un petit Wellington ou un petit Pato là. Un petit bon joueur. Ah, le nom est court, hein, j'ai vu. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas de joueur. Alors, hop, Elia, 91 en vitesse, Elia. Peut être oula cool. Ah pas mal, il peut très bien. Milan C. Le missile. OK. Zirkov c'est pas mal là. Hein, parce qu'il aura 79 en vitesse aussi notre ami Zirkov là qui joue à Chelsea. Non, c'est qui veut de la Chelsea. Ouais. Il a la photo de Chelsea encore je crois, hein, me semble hein. Je vais le mettre on va le vendre ouais. 80. Putain, un DD à 4. Je vais lister parce que nous on a notre ami le l'Arabie Saoudite là, genre le Saoudien là qui est à 91 lui. Ouais. Alors par contre lui tu vois. Putain. On va aller voir combien il vaut. Ouais, parce qu'il y en a des comme ça, ils valent très cher. Hein. Par contre lui là, il va retourner dans le paquet. Parce que j'en veux pas moi. Alors l'Atalanta, l'exécution de l'Atalanta, on a un ballon de hockey et on a le mode Milan c'est à 2006. Voilà, alors on va les glisser. Bon niveau des 4 packs, y a rien d'exceptionnel. Hein, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on s'en sort pas trop mal. Ça reste assez on peut honnête, faire quelques ventes. Ouais. Mais rien de mirobolant parce qu'en fait il y a que 10-15 joueurs qui valent beaucoup. Ouais. Après, il y en a 10-15 autres qui sont vers 20-30 000 et après ça vaut rien. Mais c'est vrai, vous allez voir sur Fucked, le site, il y en a qui ça vaut rien. Il y en a qui sont forts. Bon, ouais, je le mets à 300, mais je pense pas qu'il parte. Il y a celui de l'Ajax. Hein. En fait, j'ai compris, Rude m'a expliqué pourquoi celui de l'Ajax en théorie coûtait cher parce qu'en fait, c'est une équipe très forte, enfin une équipe très connue, forte, mais elle est son maillot est en mode argent. Du coup, on le drop quasiment jamais. Oui, parce que personne n'achète l'argent. Donc, Du coup, en fait, c'est comme le Celtic Glasgow, il part à 3-4 000 les maillots. Parce qu'en fait ils sont rares mais les gens le veulent. Donc il y a une forte demande et une faible offre hein. C'est du marché économique. Du coup ça fait un prix très élevé. Contrairement au... On voit que les prix sont à la baisse parce que les gens ont de plus en plus de joueurs. Mais je pense que c'est en payant les FIFA points qu'on a les gros joueurs en fait. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que les probabilités sont plus élevées quand t'as des FIFA points quand même hein. Donc là tu fais quoi là? J'ai envie de craquer d'acheter un truc là. Si c'est trop cher on n'achète pas mais si c'est... Putain ça vit grave. Ça augmente là en ce moment c'est cher. Mais c'est normal, on a une heure où peut-être il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je sais pas. Ah là. Sinon j'ai fait un plus 15 tirs, attends. Juste pour c'est cher, putain, ah, pour cher, 800, c'est cher quand même. C'est cher tout là. Ouais 800. Non. Sinon si je trouve un tir. Là il t'a combien lui putain? Pas de tir là hein. 10. Ah ouais t'as 1500, il souffle le mec un peu quoi. La tire 150, on va l'acheter, on va voir si bon peut-être qu'on le gagnera pas mais On va voir. Ah, quelqu'un qui l'a déjà acheté, ok. Bon mais tant pis, hop là. Allez, ça me souffle parce que des fois ça. Voilà. Je pense que le mec va monter plus. Oui, il va monter, ouais, non mais. Ah, ah. 750, 800 là. Bon, mais là, 150 aussi. Ah putain, tu vois, Oui, t'es fait. Eh oui, mais allez, dégage. Non. Laisse-moi cliquer. Voilà.
Il y a tous Dribble Plus. Ouais, c'est bon, on va aller voir vite fait là, les enchères. Juste, c'était pas prévu, mais ouais. Juste parce que j'ai envie quand même de mettre. On en a en vente, hein, ça part pas, donc si vous les voulez, on vous les brade. Donc. 15 secondes, 33 secondes. Alors, on est en train de lead, hein, de gagner dessus pour l'instant. Faut d'abord vainqueur. Parce que les mecs font comment en fait, tu vois, ils mettent enchères et puis ils passent les pages. Ils se cassent, oui. Parce que c'est pas très ergonomique au niveau des suivis des enchères. Attention, gagner presque. Bon, gagner. Gagner comme le gagnèche. Et là. Notre ami là, voilà, Joy qui nous vend ceci, tire plus 15 pour jouer en Robinho comme ça. Peut-être qu'on va mettre 200, ça vaut le coup. Meniqué, hein, peut-être le mettre tu en mettre buteur. C'est vrai qu'on a droppé Meniqué, hein, parce que l'épisode précédent on l'avait pas dit. Voilà, on a droppé entre temps. On a droppé du Eto, on a droppé du Lavezzi, du Di Maria Sorriso, on a droppé pas mal de joueurs, on les a tous revendus. Et du Hulk aussi. Et Hulk qui est un tank, hein. Un monstre. Et on joue avec lui, hein. Hulk. Alors, est très intéressant. Appliquer directement. Appliquer, on va mettre sur Père Robinho. Ouais. Allez, Robinho, ça les fera tirer un peu mieux. On a de notre jolie équipe, voilà, hein, qui se dessine. Hein. Et on va mettre. On a pris Marchetti au goal. Tu veux mettre Emenike alors ? On va faire jouer Emenike. On va faire jouer Emenike parce que. Parce qu'il est meilleur. Non, mais il est bon. Hein. Il est bon aussi ce pont là. Il court bien. Du coup, Hulk, je lui mets quand même plus 15 en tir. Il est 100 comme ça. Voilà, il y aura 100. Donc il fait. T'as vu ? Prends-moi, tu tires, y'a bête. Allez, plein de l'écart. Donc on va voir combien valent les joueurs là qu'on a récupéré là, parce que, et après on fera le match. Après on fera la finale tant attendue. Hein. Vous savez que la cut, on se débat, qu'on bicrave, le côté un peu paperasse administratif et commercial. Et donc puis là, le match, Fellaini. Genre. Donc Fellaini, c'est un Belge qui joue à Everton. Vas-y, on retient, vas-y, continue les autres. Non, moi je peux plus mort. Mais moi j'aurais pu retenir moi. Vas-y, Fellaini. Fellaini va. Alors, à mon avis, il vaut son pesant. On a parlé de la formation par contre. Non, mais ça. Alors, il est MC ? Ouais, c'est un MC, ouais. Il est pas la mauvais. Belgique, hein. En fait, au début, je voulais me le récupérer, mais. Barclay. Bon, c'est quand tu l'as, en fait, finalement. Et que Everton. Que tu le veux plus. Alors, combien part-il ? Ouh, 6200. Ah, c'est un bon joueur. Là, dit crack. Selon les formations. Bon, c'est vrai que la 4-1-2-1-2, c'est la formation la plus rare du jeu. Mais il est bon, fait l'année plus chercher. Bah, tu sais quoi, moi je pense qu'on va le mettre à 5000 et HI Midi à 10000. Ouais, voilà, pour faire un. Ouais, c'est ça, oui, il y a des beaux achats. Il y a pas mal, il met à 15. Bon, après, il y a pas beaucoup d'achats, t'as vu. Oui, mais parce qu'on a une tranche noire où ça partira plus peut-être ce soir qu'en début d'après-midi où on est là. Alors vas-y. C'est vrai qu'il y a personne là où on fait la vidéo, c'est entre midi et 2. Ouais. Hop. Alors Fellaini vient là, attends. Là, voilà. 3, 4, 2, 1, 2. Ouais, bon, on les met 5000 de base, ça va tirer. Je vais mettre 5000. 5000 avec des Pokémon offerts, quoi. Allez, 5000 avec une carte changement de possibilité. Tu mets 8000, je pense, ou 9000, ouais, plus quand même. Je pense que tu mets pas. Ouais, si, 9000. 8-9000, un truc comme ça d'achat immédiat. Ouais, je mets 8-5. Voilà, ouais, 8-3, sinon tu mets des trucs irréguliers comme ça. Et voilà. Une heure, non, je vais mettre plutôt 3 heures. 3 heures, voilà, pour ça, ça tombe vers 4 heures, ça sera bien comme ça. Zirkov. Bon, là tu le vends comme ça. Hein, moi je pense qu'on va le mettre on va le mettre à 350 et ça, puis ça partira les comme gens, ça. Ouais. Ils vont l'acheter ou pas. Voilà. Et il y a par contre. Ça, ça vaut cher par MG contre. MG joue à Werder de Brême. Ouais, ça 91 en vitesse, hein, notre ami Elia, ce courant. Donc on s'excuse, oui, nous ne sommes pas fans de la Bundesliga. Donc on avait fait une erreur la semaine dernière entre Joel qui joue à Bayern, Dortmund. Oui, en fait, je savais qu'il jouait à Dortmund, mais en vidéo après tu oublies plus ou moins. Oui, voilà, c'est ça. Puis je savais qu'il jouait pas à Bayern, ça c'est évident. Donc c'est un MG, je sais plus sa nationalité, mais on s'en fout. Il joue à. C'est Elia, si, c'est un. C'est un Hollandais volant. Hollandais volant. Alors. Il bat. Bundesliga. Brême, non c'est Brême, non c'est vers la fin, je crois. Là, vers Brême, alors. Est-ce que c'est lui? Voilà, notre ami, il y a. Ah, que 2000, c'est tout. Pourtant, il est fort, il a 85 en dribble, hein, par contre. 85. Tu vois? Il part, ouais. Bah, tu sais quoi, sinon, on le met à 650 et on va voir s'il part. Ou, ouais, c'est le pari toujours de le laisser s'envoler. Il part ça, là, en 4-3-2-1. Il part en 3000. Putain, il part en 3000, en 4-3-2-1. Bon, mais vas-y, on met 1500. Attends, hein. on va aller. On va aller voir là, attends, on va aller voir cette formation. Attends, on va aller le prendre. C'est un mec qui part à 3000, c'est très très intéressant ça par contre. Hein. Alors. Parce que au pire, moi je le garde et en off, je lui mettrai une carte Pokémon sur 4-2-1. Ouais, 4-5-1. Ouais, ça peut servir. Ça peut le faire. Vas-y, allez, mets au moins 1700, 1600 de base pour 3 heures. 2005, je suis gourmand. Voilà, vas-y, 2005 là. Et. Pas d'achat immédiat pendant 3 heures, vous battez. Lui alors. Ah oui, attends. Ah, c'est terminé. Ah, il y a des enchères qui ont dû se terminer alors. Ouais, ça a pas marché. Baisse ou comme ça, faut remettre sur la nouvelle planche horaire. Hein. Bah, c'est cool, t'as vu? Acheté. Bon, Oil, il joue ce noob. Attends. Middlesbrough, Angleterre, et DD. Et l'autre c'est espagnol et Malaga, donc c'est bon. Alors, vas-y, viens là. On va en chercher deux et c'est bon. Après. Alors, c'est problématique ce FIFA Ultimate Team, il fait que friser quand même, ça c'est assez chiant. Ouais, vous allez voir qu'on va lancer la coupe, ça va sûrement friser, on va devoir faire une coupe. Attends, clac. Alors, putain, merde, je sais pas si Middlesbrough c'est ouf. Je sais pas. Là, voilà. Ouais, t'as raison, c'est descendu. Ouais. Mais il est argent le mec, mais voilà quoi. Il doit... Là, 80. Là, alors c'est l'autre là.
Lui. 1002, il part pas. 1002, 200, il part. Ouais, mais. 1008, il part. Wow. Ah, 1008, il part. Ouais, formation à 4. Ouais, 1008, il part quand même. Bon, on va voir. Je vais le mettre. Tu sais quoi, je vais le mettre à 1000. 1000, ouais, 1000. Ou à 500. Vous avez vu, il a 66, mais comme il a beaucoup, beaucoup. Enfin, vitesse. Bah, pour ceux qui veulent sur les petits margents en Angleterre ou première ligue, genre. Ah, c'est clair là. Anglais, ça marche très bien quoi. Là, il y a de quoi faire. Non, hein. Même s'il est 33 en tir, ce noob. 4-2-3, c'est un formation. DD, c'est normal, hein, ouais, il est là pour ça. Et il a une bonne formation, il a une formation là, quand même. Ouais, c'est jouable. Honnête. Allez, liste d'éléments pour 3 heures. Et Joaquim, Espagnol, milieu, Malaga. MD, milieu droit. On va voir ça. Et après, on lancera la finale tant attendue entre nous et même un si mec. On a pas beaucoup d'espoir, mais bon, c'est juste pour c'est pas grave. Hein. Tadjikistan, hein, que l'est d'Ouzbékistan. Putain, il y a l'Ouzbékistan dans ce jeu là, c'est de la merde ce jeu. Allez, on va la Ligue BBVA, vas-y, là. Notre ma Ligue BBVA sur 20. Hop là, je vais me faire une équipe du BBVA là. C'est où là 8000 points. Quelle équipe t'as dit? Malaga. Malaga qui achète tout le monde avec. Il y avait les vieux, puis il y a des vieux, et puis il y a l'autre aussi là. Joaquim, ok, donc il part pas. Pas. 700, il part. Tant dans PES à l'époque, 5 et 6, c'était un peu. Ça allait être une star en devenir, hein, mais on. Ouais, c'est vrai qu'il est. Il a un peu de buzz à l'époque, je me rappelle. Il a un peu alors, de vie, son niveau des stats. Alors, hop là, ouais, il a bon, pas. Même si on récupère 1000, c'est toujours ça de bon, parce que dans un pack 7500, il faut, pour le rentabiliser, il faut vendre à 650. Évidemment. Allez, hop, on vend. On va en mettre à 1000. 3, 4, 1, 2. Bon, il a une formation pas tip top. Ouais. Route jouant en 3, 5, 2, il me semble, là, ça, 2. Et c'est très bien en fait, hein, parce que on essaiera une fois la prochaine fois, je pense. Ça fait un gros donc, milieu je compact. Je vais vous montrer notre équipe. Donc, voilà notre équipe. Voilà. Donc j'ai décidé de mettre Armero à la place d'Antonini parce que il court beaucoup plus vite. Et du coup quand on est en défense en fait Abate et Armero se rejoignent pour vraiment niquer la contre-attaque. Ouais, les deux vont bien. Donc Marchetti je l'ai remis par rapport à Abate JD parce qu'il est encore vraiment. Il est vraiment beaucoup. Il est vraiment bien plus fort. Et puis il a 83 donc ça se voit. Donc là, il y a Luca, là il y a Montolivo, là il y a Marquis, ça change pas. Oui en fait Luca a descendu de notre cran parce qu'on a droppé Hulk qui a un gros tank, regardez ses stats. Voilà, c'est vraiment un tank de porc, ouais. C'est ça abusé, on dirait un petit peu Adriano Puassis de. Non mais c'est ça, c'est un cochon quoi, il dégageait quoi. Il a une vitesse de ouf, il a un dribble qui est assez bon quand même hein, parce que. Notre ami Givanildo, Vieira de Souza, voilà. C'est abusé. Hein. Eh, c'est un fou, hein. C'est vraiment un fou quoi. C'est donc, un, tu vas mettre à la place Miniké. Ouais, vas-y, puis au pire, on fera un changement lors de la finale. Pour comparer les stats, et Miniké, donc il a 90 en vitesse de plus, 78 en tir. Mais après, tu vois, il est quand même moins bon parfois. Ouais, mais il fait pas de passe, et Miniké il tire. Mais oui. Mets quand même Wagner sur le banc au cas où on fera des changements. Pour la finale, on fait changement de track pour la finale, hein. N'oublie pas, voilà, tout ce qui est un peu padding, ça sert aussi. On peut faire des folies, ouais. Attends, je vais mettre El Charaoui aussi. Hop là, voilà, ça peut servir un petit El Charaoui. Comme j'ai lu là, notre ami Duxen qui me disait que voilà, tu fais rentrer Biaviani là, tu vois, à la 60ème minute, ça tue tout le monde. Là. C'est vrai, en plus, il arrive, il est chaud bouillant, le mec il bon, court partout. Par contre, c'est pas sa formation à Miniké, donc. C'est pas grave. Pas attends, mais là, en tout cas, j'ai. Alors, vas-y, tu lui mets quoi? Bah, il dépasse plus. Oh, tu me dépasses, hein, vas-y. C'est pas assez bidou. Moi, il se botte pas, t'as raison. Et enfin, lui, qu'est-ce qu'il veut? Je vais lui mettre un. Lui, je vais lui mettre un petit. J'ai vu un truc de défense là. Je vais on avait un petit défense, il nous en reste des petits défenses. Donc les consoles, on en a plein. Le sac. Allez, défense, voilà, c'est voilà. Bon, c'est bon, on va pouvoir commencer. Toi, je vais mettre des cartes Pokémon aussi. Marquisio, pourquoi voilà. Pour les passes. Mais j'ai deux cartes passes là, faut les consommer en un vidéo, c'est autant c'est la vrai, folie. C'est vrai, même si la semaine dernière, ça nous avait pas porté chance. On avait mis les cartes Pokémon. Hein. Enfin, si, on avait gagné, mais. Sans briller, sans atteindre l'objectif des 10 buts qu'on s'était fixé, malheureusement. On se fixe la barre peut-être un peu trop haute. Voilà qu'on pense à la rebaisser un jour, mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, clac. Passe plus 10 pour Lucas. Comme s'il était pas assez fort, c'est cool ça, c'est bien ça. En plus, ça va faire peur parce qu'ils ont des. Ils ont des. Et oui, ils ont un truc argenté. Exactement, ça rend un peu de Terminator là. Allez, bon, allez. Je suis sûr à 90% que ça va friser, donc on y va. Ça a rien à voir avec la qualité de la play. De la play. C'est juste si c'est fait Ultimate Team. Donc je clique doucement, on va voir si ça charge ou pas. Cliquons doucement. On va voir. Doucement. Ça charge, ok, c'est cool. Oh, ça une nouvelle ligue à venir. Où ça? Là, il y en a une cinquième qui est apparue. Un packer offert. Elle ouvre en 5h30. Ouhou. Nombre de millions de championnat 3, nombre max de joueurs en championnat 5. Okay, donc en fait, oh putain, c'est abusé. Nombre de 3 championnats différents. Nombre max de joueurs d'un même championnat 5. Avec comment je fais moi avec mes 1000 années? J'en ai 18. Non mais dans un même titulaire. Ouais, mais non, 5 mais sur j'ai, 11. J'ai peut-être plus 5. Si on a 3 championnats parce que Wagner c'est la Russie. Oui, non mais d'accord, mais je veux bien mais pas plus de 5. 5 sur les 11 du même championnat. Marquisio, Montolivo. Attends, titulaire de la même équipe. Bah c'est bon, Nesta il est pas ici maintenant, c'est bon. Armero non plus, c'est bon. J'ai Abate, on changera. Abate Mexes. Marchetti, ouais. Non, il joue Marchetti. Montolivo, Marquisio. Et Robinho, ça passera pas. Ça passera pas. On essaiera. On va voir. Un pas encore à gagner du coup. Allez, la finale. Donc j'y crois pas trop, mais bon, on va voir. Donc j'ai 4-0. Gagné 4-0. Il s'était déconnecté le gars. 5-4, donc ça a été hyper tendu. Et après 6-0. Contre Messi. C'est lui qui avait la team Messi.
Comme quoi, Messi, mais non, en fait. On va voir les stats, mais c'était lui quand même, Messi. Ouais, je pense qu'il avait droppé parce qu'il avait construit une équipe autour de lui, moins, ouais. Plus ou moins indique. Il avait une équipe un peu argentée, en fait, il avait que des Barcelonais, donc forcément, ils sont argent. Allez, on continue, c'est parti, on lance l'aventure. Attends, j'ai 1, 2, 3, 4. Ah, je n'ai que 4. Ah oui, c'est vrai, non, la radio, 5. Non, du même championnat. Non, de la même équipe. Non, t'es sûr que c'est pas du championnat? Ouais, c'est de la même équipe, je crois. T'es sûr? Allez, un espagnol. Rami, oh putain, ça va ramer. Quitte. Voilà. Seul porte-malheur quitte, il rame. Allez, hop là. Et c'est une présomption irréfragable que l'espagnol rame, c'est comme ça. C'est la même équipe et donc il y a que 4 minutes, donc ça passe. D'accord, ok. Parce que sinon, les championnats, ça va. Hein. Après les 3 championnats différents, c'est bon. Nesta, Al, qui joue à Udinese, c'est Armero, ce con, j'ai pas vu. Allez. Encore, mais t'es un sous-homme, il y a que ça, cette heure-ci ou quoi? On attend. On va attendre un peu. On attend qu'il fasse une recherche. Attends, hop, on s'en va. On va retourner voir les. Ouais, vas-y, relire là. 5 en tant que championnat de l'équipe. Oui, mais championnat. Ah merde, oui. Championnat. Du coup, ça passera pas parce que Armero, Abate, Marchetti, tout ça passera pas. Mais c'est pas grave. Au pire, je m'en fous, je peux mettre Adrien de Barça oui, ou voilà. Je peux mettre un autre joueur de notre championnat. On s'en fiche. Et puis là, au milieu, tu changes, mais tu mets Amnon Nielsen. Ouais, après, il faut être dans les conditions. 3 minimum championnat. Mais c'est bon, on en a largement 3. Hein. Entre Nesta, il en fait un déjà. Et Miniki, il en fait un autre. Wagner, là, il fait la Russie, c'est bon. Hein. Il y aura 4 ou 5 championnats. Ouais, est-ce qu'il y a toujours le même là? Ça bon, me sinon, fout, là. Sinon, on joue, sinon, on joue. Sinon, on est chaud bouillant. Les gens veulent voir du match. Allez. Allez, notre ami. Bon, mais voilà, ah, c'est le destin. Hein, il va nous mettre une fessée. Hein. Allez, je clique. Allez, clique. T'as beau chasser le naturel, il reviendra au galop. Tu veux pas. Ah, t'as pas changé de maillot, toi? Voilà, joue en Nitty. T'es prêt? Lui, il a les FIFA Points. Hein. Mais non, lui. Mais tout le monde a les FIFA Points. C'est une catastrophe dans ce Ultimate Team. Les gens payent des centaines de. Regarde, allez, 85 là, Cassano. Et Doumbia Chité, 82. Honda sur côté. Nagatomo. Qui va très vite. Muriel, le mec de Muriel Robin là. C'est un cheater sec, Cassano. Doumbia. Oula, ça. Ah, ça va être intéressant là. Ça va être un gros match. Hein. C'est que le défenseur de Montpellier en fait. Je sais plus son nom là. C'est pas Mbiwa là? Si, c'est Mbiwa là. C'est Mbiwa. Okay, et Nagatomo s'il court vite ce con. Ah, allez. On va se faire doucher, mais c'est pas grave. Allez. Autant rire en vidéo. Allez. Autant se faire violer. Non, mais là, c'est bon. On joue décontracté. Le mec, on va le violer. Je me mets en défensif, en ultra défensif. Allez, voilà, mais non. Moutinho, Koussou. Koussou là. Qui va... C'est le maillon faible de l'équipe. Attends, qui croit. Le Konko là, c'est un mec qui est trop rapide. Oh, là, j'ai failli l'avoir. Bon, déjà, ça ne rame pas, donc ça, c'est cool. Pas tout de suite en tout cas. Muriel, il fait très mal. Moi je sais que j'ai pris beaucoup de buts contre lui. Et pour l'instant, personne ne nous fait mal. Allez, c'est bon. On attaque. En tout cas, la défense elle est prenable parce que le Mexès il est bon, mais après en vitesse il est pas très bon. Allez sûr, là. Pousse-toi. Bon. Oh là, Marquisio qui s'y fait étrangler là pour Hulk. Carré. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, Hulk. Vengeante Hulk quoi. Tu vas nous mettre une grosse mine? Au bout du T'as 100 tirs, hein. J'ai mis une carte Pokémon de sang quoi. Au bout de son tir, hein, franchement, il l'a fait, il n'en pouvait plus. Allez, dommage. Première contre-attaque, le mec il a eu chaud quand même. Ouais, on l'a vu que la première contre-attaque. Doumbia, Cassano. Alors Cassano, je comprends pas, le mec il a quand même 85, donc faut quand même expliquer pourquoi il a 85. 85, hein. C'est absolument énorme hein, quand on connaît Grobinho ou Pato, donc 83 par exemple, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Parler poliment, allez. Allez, hop, on a une bonne attaque. En bas. Et mais nickel. Oh, attends. Je vais faire mon beurre moi aussi sur Miniki, voir s'il est aussi fort. On va construire une équipe dessus quoi. Oh putain. Miniki qu'on a droppé par hasard, le jour où on a maté la vidéo de KSI. C'est vrai, exactement. On a bien rigolé. Enfin putain là. Il est assez énorme hein, quand on s'amuse à jouer contre l'IA. Bah, contre l'IA, il est viol. Hein. Le mec, il a plus de buts que de matchs joués, donc c'est assez impressionnant. Ah, il a un ratio quoi. Ils sont trop bien parce que les joueurs ne font que ça. Exactement. Attention, la frappe de Cassano, le but. Oh putain, Marchetti quoi, du bout du gant quoi. Ah, il est super fort. Hein. Il va chercher quand même. Il va chercher la balle. Attention là. L2. Oh, ah voilà, tu vois Mexès. C'est abusé, tu vois. J'ai fait carré. J'ai bien maintenu. J'ai essayé de pousser la balle. Mais il y a trop les têtes dans FIFA, que ce soit Ultimate Team ou normal, elles sont trop chitées. Bon, autant dans la PI, on a dit que les têtes seraient abusées, seraient faibles. Regarde, mais comme il me monte dessus, il y a pas faute là. L'ascenseur là. C'est impressionnant ça de prendre des buts autant sur des têtes. Le dark side de Mexès. Encore, vous l'avez vu la Cheetah League, j'ai encore perdu sur un vieux but de la tête comme ça là de Vermaelen. Ouais. Sur corner. Donc en fait, moi j'ai pris 4 buts, 4 têtes. Hein, donc c'est un truc de malade. Hein. Allez, c'est pas grave, ça continue. Allez, Meniké, bim. Oh là, il relâche l'endroit au moins. C'est bon. Allez, à nous de faire un corner Mexès. Allez, là. Mexès sur Mexès. Allez, la même. À l'envers. Attends, je prends Mexès. Là, j'ai Mexès, carrière 2. Donc nous, ça marche jamais les têtes en fait. Hein. Vas-y, viole-moi. J'aime ça. Voilà, vas-y. Donc il te repousse gentiment. Attention, Doumbia Chité. Attention. Cassano a pas beaucoup de vitesse, donc ça devrait passer. Voilà, c'est bon. Faut essayer de. Là, je vais sur lui. Vas-y. On va sur lui. C'est vrai que quand même, Ultimate Team, c'est un jeu plus que scripté et surtout
les joueurs ont deux styles de jeu. Soit ils font entrer Anglelin. Ah non, Doumbia. Soit ils font entrer Anglelin, soit en fait ils font des centres et que des têtes overpower comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais les Anglelin sont foison. Alors que je veux pas me raconter, mais moi j'essaye de faire un jeu de variété. Tu sais, j'essaye de faire des frappes en fait. Mais bon, bah nous, des fois ça passe, frappe, des fois ça passe pas. Mais bon, ouais. C'est vrai que moi j'ai pas ce principe, j'ai pas ce réflexe de faire triangle L1. Autant en solo je fais tout le temps triangle L1, mais là je le fais pas quoi. On joue pas comme ça en fait. Mais c'est pas, voilà, c'est pas qu'on joue mieux quoi que ce soit, mais c'est qu'en fait, voilà, c'est qu'on joue plus un jeu développé, un jeu. Mais tu peux pas, tu mais peux pas clairement. Enfin, oui, mais je veux dire faire ouais, des. Bon, après, c'est qu'on fait contre attaque, courir et tirer quoi. Mais nous, ouais. Mais c'est que nous, tous nos buts c'est des tirs en fait, hein. C'est pas des. À part la dernière fois, on avait marqué sur la corner, tu sais. Oui, voilà, le sauvetage totalement dans la 3, c'était magnifique ça. Allez, dégage. Ah, c'est bien ça. Allez. Emenike. Parfait. Ah, mais galope là. Il y a un gars MBW, il a quand même 119 et. Il doit avoir de la vitesse. Oh, allez, putain. Hulk. Hulk était chaud, Hulk à fin là. Son endroit est prenable. On passe en offensif un petit peu. Allez, hop là. C'est pas fini, Ultimate Team. Ça... Jusqu'à 6-0, tu peux revenir, hein, je pense. Ça s'arrête jamais. Là, oh, putain, j'étais tout seul là-bas. J'ai pas vu. Ah putain, ouais, j'étais tout seul. J'attendais en bas que tu repartes. En bas. Allez. Allez, on se concentre, on repart. On essaie de bien voir les actions là. On voit bien les joueurs où ils sont. Hop là, tout en haut. Eh ben, ouais, mais là, c'est... ouais, mais là, pareil, il te pousse, là, il y a obstruction, je veux dire. Pas y aller, quoi. Mais il faudrait que vous nous donniez la touche pour faire du vrai fight for possession, quoi. Parce que franchement, on se fait vraiment défoncer, quoi, la gueule. Il y a jamais faute ou comme ça. Attention, ouais, là, un triangle là, tout moisi là. J'ai sorti le goal, j'ai fait ce que j'ai pu. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, allez, bouge. Bah, il bug, hein, souvent, ça ne bouge plus. Vous avez vu mon match, c'est pareil, ça ne bougeait plus. Donc voilà, tu voyais, il faut du pressing comme ça, moi, j'y arrive pas. Non, on n'y arrive pas, nous. Oh là. Ouais, mais t'es en jeu. Ouais, mais franchement, de. De rien, mais juste je sais, mais juste là. Le temps que je fasse triangle là, en fait, ça. Juste avant, ouais. Franchement, je suis dans la course, quoi. Dans la place. Allez. Hop là, notre ami Hulk là qui tend ses grands compas. Oh là, il se fait taper la gueule là. Mais il y en a marre de ce Doumbia aussi là, dégage. Dégage, Doumbia. Hors jeu. Hors jeu, sifflé de Cassano sûrement. Allez, c'est du suspense un peu quand même. Parce qu'un 0, c'est pour l'instant, on prend pas une valise. Donc ça va. C'est bon. Parce qu'on joue à 2, quand même 2, c'est beaucoup. C'est beaucoup difficile. Puis on commente en direct, voilà, on est en finale, on enregistre et tout. C'est la folie. Là, Cassano, il va le mettre en 2-0, attention. Non. Si en plus, si le mec est en finale, vraiment, c'est quoi là? Il a réussi à marquer, je veux dire. Donc c'est quand même une dynamique là. Voilà, c'est un beau collabo ça. Allez, repart, c'était puni. Hop là, Hulk. J'ai aimé niquer, donc continue. Là. Ah, dommage, j'aurais dû faire un vieux triangle là. Bon, mais là maintenant, en haut là. Allez, refait. Tiens. Ah, oh là, qu'est-ce qu'il fait, Marquisio? Pourri la passe quoi. Vas-y, Méniqué. Aimé niqué. Oh shit. Hulk. Lucas. Ah, t'as fait un L1 carré. T'as appuyé sur L1. Donc, du coup, ça a fait un vieux lob. Dommage, hein. Dommage, j'avais l'égalisation au bout du pied là. Qui est Méniqué depuis Méniqué. Ah, oh, magnifique, allez. Ah, mince, viens là. Viens à Muriel Robin. Muriel est très fort. Ouais, elle est très forte, Muriel. Ah, c'est un Colombien là de l'Udinese. Ils ont, ah, avec Armero, ils ont deux Colombiens. C'est ça galope, deux, hein. Deux belettes quoi. Oulala, c'est bon. C'est tendu, mais c'est bon. Parce que bon, les gens, ils savent qu'on va faire cette passe là, mais bon, des fois ça passe. Parfois ça passe. Là, vas-y, Hulk. Allez hop, Emenike. Putain, mais je fais des contrôles toujours pourri. Je comprends pas pourquoi en fait. Ça m'énerve ça. J'essaie de trucs côté avec Robinho. Non, fais les passes. C'est Emenike. Fais la passe, hop là. Marquisio. Oh, Marquisio qui a une grosse frappe aussi, mais. Ouais, Miniki. Ah, dommage. Miniki était ouais, tout seul. Ouais, hein. Mais je t'ai pas vu tout seul quoi. Faut bien essayer de bien regarder le jeu. Hein. Ouais. Lecture du jeu, c'est important dans ce FIFA Ultimate Team. Si on peut aller plus vite que l'adversaire. Ouais. Avec carré. Voilà, allez, hop, je prends la balle. Là, Miniki là. Triangle L1. Et Miniki là. Putain, mais. Armero là. Collabo. Armero, il veut pas. Boum, Honda. Terminé, monteur Honda. Allez, dégage. Oh, allez, il sauve la touche là. Allez, vas-y. Oh oui. Triangle L1 bas. Oui, triangle L1. Allez, Hulk. Oh, ce contrôle de Ligue 1. Putain, mais c'est quoi ces contrôles quoi? T'aurais pas dû tirer tout de suite en fait. T'aurais dû recontrôler en fait. Parce que là, en activant le tir, il perd sa puissance. Allez, dommage là. Donc, c'est bon, là, tu fais la salope. Hein, je tire pas, j'attends la mi-temps. Mais tu peux attendre la mi-temps, c'est pas grave, il reste une mi-temps. Voilà. Allez, parce que bon, la communauté là, c'est pire que code. Hein. Les joueurs jouent tous les ralentis possibles. Encore, lui, il est pas trop bâtard, mais c'est le jeu le plus violent. Hein, c'est le jeu le plus haineux du monde entier. Hein. Ça se comprend, voilà, ça reflète notre société. C'est-à-dire qu'on perd, on se déteste, on a envie de se tuer. Ah oui, c'est.
c'est la haine ancestrale. Hein, mais la vraie haine, hein, la pure, quoi. Hein, la très je laisse passer les secondes de l'instant pour te faire rager, mais on s'en fout parce qu'on est là, nous. Mais parfois, ils insultent, ils envoient des messages et tout. Ah, hein. Une après-midi, j'avais joué, j'avais pas regardé le PSN, j'avais reçu 10 messages d'insultes. Hein, play, come on, it beats et tout. Chaud, quoi. Putain, mais n'importe quoi, les mecs. Hein. Si vous êtes à 10 secondes près, mais chaud, quoi. Ah, pas à peine, je lui laisse les trois pauses après. Si on perd, on fait les trois pauses avant de quitter, ouais, pour vous expliquer la vie. On fera des changements après, là. Ah, il fait rentrer Emma à la place de Cossu. Allez, okay. Allez. Maintenant, on va faire des corrections de la première mi-temps, on va les faire. Et ça va aller tout seul. Voilà, Hulk là qui se fait violer. Je crois qu'il y avait faute parce que ça avait l'air de s'arrêter. Putain, pourtant, il a MBY en défense, c'est pas du très très lourd MBY. Non, c'est pas, ça peut passer, là. Entre Mexès et MBY, ça peut passer. Je vous rappelle qu'il a mis un but sur corner de la tête de Mexès. Sur Mexès, un viol. Hein. Totalement honteux ce but, une fois de plus, là. Ah, allez, dommage, allez, faut pas laisser. Marc est vieux, il joue encore au football, mais c'est oui, ouf, mais ça me choquait que ce soit encore lui, quoi. Hop, allez, Mexès, là, qui illumine Tata des. Oh, bien sûr, nous. Toi, il va jouer tout seul, et hop. C'est ça que j'aime pas. Ça joue vite, et en fait, ça te sneak. Ah là 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 là, Emenike. Trangler là pour Robinho. Fake, la passe juste. Qu'est-ce que tu fais? Bon, vas-y, amuse-toi. Non là. Putain. Mais ouais, faut faire la passe, mec. Mais Emenike, oui. C'est pas. Il est juste bourrin comme Hulk, il a pas de dribble. Hein. Mais oui. Je voulais tirer après, mais allez, parce que en solo j'arrive à chaque fois, enfin en off, à chaque fois on arrive à revenir un peu dessus là. Allez, Marquisio fait la passe. Hop, là 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 là, tire. Oh, oh Emenike là, il est bon en tir, tu vois. Là il aligne le viseur et la prochaine fois ça commence. On va revenir au score, ça va finir au penalty. Tu allez, vois. Ultra offensif, ça va faire du jump shoot là. Dans 5 minutes, on prend 1-0. Allez, on prend attaque de Doumbia Chité. On prendra pas la valise. Boum, Neymar. Ah dommage. Dommage. Ah il sort le goal. Oh putain, Landro il fait la folie là. Oh, regarde ce contre-attaque mené par Landro. Brillamment par Landro, attention. Attention, Mexès. Nique-moi ce Muriel. Muriel, il est horrible. Allez, on se laisse pas faire. Attention, il va faire un centre. Ne laissez pas Honda se déployer. Oh, là. Oh, quel sauvetage d'abatté. Allez, on balance devant. Allez. Allez, magnifique. Emenike. Là, 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 là. Je t'ai fait la passe, mais putain, ça marche pas. Dans Game B1. Allez. Ah oui, c'est bon, tu récupères Hulk, vas-y. C'est normal. Pousse-toi, mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi il me rape? Parce qu'il t'a fait un fuck, tu vois, Girard, du coup t'as fait un quoi, puis t'as regardé, puis voilà, il y a un Game Boy et t'as pris la balle. Dégage Doumbia là. Magnifique, c'est du bon Nesta. Le ça. Bon hashtag de Nesta, ça c'est bon. Allez, ça. Allez, c'est parti, en haut. Mais putain, je le fais en haut là. En haut. En haut. Encore. Ah, c'est mon niveau. Oh mon dieu, c'est du 4 là. Hulk. Non. Abattez. Robinho, bim. Mais non, mais prends. Prends un peu d'élan, tu peux pas tirer j'avais, là. J'avais un pas d'élan quoi. Tu t'y arriveras pas là, c'est de sûr. De toute façon, hein. il m'avait. Oh fini, putain, hein. Contre-attaque. Armero qui va le bouffer. Ah, tu le bouffes, tu Armero qui va le bouffer. Fais au goal, fake. Allez, on repart devant. Non, mais j'avais vraiment aucun pas d'élan. Ah non, et... t'avais pas d'élan, tu pouvais pas tirer. J'ai fait un pas, mais de toute façon, il m'avait contré, donc il m'aurait contré dans tous les cas. Allez, marque-toi un but un peu là. Moi, je te montre un peu. Mais tu sais pas jouer là. Regarde. Allez, Mar là, rentre à la maison là, bim, carton jaune là. Allez hop, ça suffit là. Il y a 53 ans, il joue encore. Chaud quand même. Hein. Le mec, il joue d'un PS. Dehors comme Van Buyten quoi, 29 en vitesse quoi. Allez, vas-y, fous ça devant là. Allez, Emenike, bonne tête là. Pour Hulk. Vas-y, hop. Crochet. Je me suis retourné, mais non, mais il y a faute. T'es forcément les crochets, tu fais le crochet, mais il est forcément pris. Ouais, c'est ça quoi. Attends, il y a faire pour Doumbia là. Il y a faire pour Doumbia, Mexès. En bas. Voilà, allez. Allez bordel là. Allez un petit triangle pour Armero. Avance sur le ballon. Putain. C'est important dans ce FIFA mais pour avancer hein. Ça, mais ça bougeait pas. Donc parfois il bouge pas hein. Allez, changement vite, fais changement. Bah non. Fais rentrer Wagner. Allez, fais rentrer Wagner là. Faut tout donner là, allez. Oh là 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 là, quel match là, putain. On peut l'atteindre. Juste perdre sur une tête cheatée, c'est triste hein. Ah mais ça résumerait bien FIFA, mais allez. On va essayer de se reprendre un peu là. Putain, mais Emenike de peu ça je passe. Je sens que c'est possible hein. C'est dommage. Hein. L'égalisation est possible là, on n'a pas perdu encore. Reste un gros quart d'heure là, même plus, hein, 20 minutes. Allez. Donc le mec doit faire encore des changements. Qui sort qui là? 6, là ouais, je sais pas. Faire rentrer Neymar un peu, faire rentrer des stars. Putain, mais c'est clair. Hein. Ouais, Emenike, tu rentres au bled, tu t'en vas. Putain, tu chier, j'ai dû marquer là. Et oui, tu sors maintenant, ça suffit. Allez, c'est bon, on a compris. Ce Wagnerlov peut être impulsif aussi. Donc, ouais, il est bon ce Wagnerlov. Vucinic fait rentrer et Perea. Attention, voilà, ça va galoper et ça va tirer sec ouais, depuis la tête sur Vucinic. Allez. Attends, il va changer de gameplay, effectivement. Il va jouer sur les têtes. Attention. En bas. Allez, repart devant. Lui laisse pas la possibilité de. Allez, Wagner. Je cours avec le stick. Oh putain, mais c'est chaud quoi. Oh putain, mais j'avais pas fait ça. Et Mexès qui me la chope. Tu sais pas de où il me la chope.
Ah non. Mais comment? Attends. Là, attends. Je lui ai pris le ballon. Et ouais. Mais c'est Honda, ça. Il a fait disparaître. C'était un leurre. Honda, c'est un peu comme zéro, hein. Allez. Dégage là. Il est tombé dans mon piège. Hop là. Mais il dit ça, Honda, quand il marche à côté de lui. Hein. Il fait un quoi? En fait, il est déjà devant avec la balle. Là, 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 là. Regarde ça. Tu vois? Il me bouffe comme ça. Oui. Là. Mais c'est Péria, ça. Péria, c'est. Pourquoi moi j'arrive pas à faire ça, tu vois? Non, mais... Donc si vous plaît dans les commentaires, dites-moi comment on fait du pressing comme ça, parce que moi, le téléton, je pète un plomb à chaque fois quand on me prend. Oh là là, Wagner! Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai fait carré et tout ça, mais ça a pas marché! Mais non, mais. Oh là là là, quand t'étais tout droit avec Wagner, t'es parti sur le côté, quoi! Ah, dommage, hein! Allez, vous, il faut le mettre en tampon là! Mais lui, un taquet là, vas-y, bim, Nesta là! Bon, mais y a pas eu bim là! Là 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 là! Oh là là! Oh le but! Oh là là là! C'est fini! Voilà, c'est fini, c'est bon! Et pourquoi? C'est de la merde! Oh dommage là! Putain, fait chier quoi! 76ème minute, il marque le doublé, c'est fini! Non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas fini! Mais je comprends pourquoi tu perds la Cheetah League toi! Hein. Moi jusqu'à la 95ème, le mec je lui marque! Hein. Ouais, mais bon, moi j'ai 300 matchs avec Ultimate Team, toi t'en as 5, donc je suis quand même plus réaliste, je sais comment se déroulent les scénarios de match! Cheetah League, j'ai 2 victoires, hein. T'as 2 défaites, hein, donc c'est pareil, allez vas-y, mets devant là! Hop là! Il y a faute là! Faute non sifflée. Bon, Aymar là. Si on le met tout de suite, c'est bon là. Par devant. Vas-y. Mais, je sais pas, notre défense elle est complètement décousue là. Qu'est-ce qui se passe? On joue en quoi en formation là? 3 offensifs là. Ouais, c'est bon. 2, 3-0. Ah, allez, faut lui casser son invincibilité et attraper le nul pour les tirs au but. Ah, mais là il a mis les autres là, c'est chaud là. Moutinho. Putain. Je crois pas, nous, notre défense en fait elle se trouve. Alors, est-ce qu'on joue en 2? C'est pour ça que les joueurs sont démobilisés, moi je comprends pas en fait, c'est pour ça. Autant quand je joue tout seul, j'arrive à les calibrer, mais quand je joue à deux, c'est impossible. Je sais pas pourquoi. Donc je sais pas, hop, faut jouer là. À deux encore, ça m'énerve. Hop là, attends. Là. Ah oui, c'est bon ça. Ça c'est bon. Allez Luc, allez Luc. Ouais, c'est bon ça. Toi aussi, t'as fait un crochet, tu vois, t'avais pas besoin, t'avais qu'à tirer. Mais non, parce que c'est coup de pied gauche, donc je me suis dit, bon, je vais mettre là. Dommage. Allez Doumbia. Ouais, 3-0 c'est quand même cher payé, hein. on se fait violer quand même. Il a toutes ses actions, a été réaliste effectivement. Allez Doumbia cheaté, hop, un petit centre. Non, on aurait mieux fait de rester dans le menu avant de nos joueurs. On voulait pas jouer contre lui, on vous l'a dit, putain, il y a eu plus en finale à cette heure-ci quoi. Mais c'est ça, il y en a plus beaucoup à force en finale. Ah ça joue pas. Ça joue plus. Allez. On part devant. Hop là. Ouais, pour Montolivo là, dommage. Ça court pas Montolivo là, j'ai acheté Boateng tu vois. Ah oui. Ah là là, Landro là. Il sort d'où Landro quoi? Il a plus, il est habillé comme nous, on croit que c'est le 12ème homme quoi. Non, on gagnera jamais. J'ai jamais gagné une coupe en finale, c'est n'importe quoi. Oh putain là, t'as beau faire tout ce que tu veux là. Allez, Abatté qui voilà, tire ça, là. Forcément, ça va toucher un mec, hein, ça c'est abusé. Et ça revient bien comme il faut en plus. Hein. Et voilà, j'arrive pas à faire le pressing. Tu vois, j'arrive pas. Grâce à un tir d'Abatté. Non, mais je sais pas, pourtant on maintient carré et tout, mais. Ils sifflent leur jeu. Je sais pas. Non, ils sifflent la fin. On a changé les touches de défense pour se remettre à l'ancien FIFA et du coup j'ai l'impression que la défense elle marche pas. Non, pourtant on a fait le carré hein, pour taper, hein, comme c'est écrit. On n'a pas changé, on a juste inversé avec rond, mais c'est le sort de tacle debout là, mais c'est depuis le 12. Mais nous on n'arrive pas à faire du pressing en continu en fait, alors qu'eux ils y arrivent. Hein, donc, ouais, ils y arrivent. Et puis les passes ils n'y arrivent pas. Ah, dommage. Dommage parce que franchement, les trucs de buts d'affilée là, alors que bon. Puis le but de Honda, il est totalement fake, hein, parce que franchement, là, il y avait... allez, vas-y, là, tu peux un but peut-être avec Hulk, pour montrer un peu la puissance de Hulk, quoi. Putain, mais... Tiens. Allez. Voilà, quoi, un petit but comme ça, pour l'honneur, voilà, pour montrer... Je fais le roseau. Ouais. Montrer ce qu'on aurait pu faire, hein, les... Voilà, la zone de la tristesse. On s'agrippe, là. Vite, moi, j'arrive à faire le roseau aussi. Non, mais je suis un peu deg parce qu'on aurait dû prendre tous ces buts là. Genre, la salope du 9-3. Donc, pour la peine, tu prendras nos amis les ralentis. Voilà, on va conclure cet épisode 4 de la Cheetah Ultimate Team. Les deux buts d'affilée là. Une défaite en finale. Alors, je pense pas qu'on refera une finale. J'essaierai de la gagner en off tout seul. Ouais. Et on fera un match en D1 classique en Ligue 1, en Division 1. Match final. Parce que là, en finale, c'est faut être concentré. Et puis en plus, là, généralement, les mecs en finale, c'est quand même des bons joueurs, des bonnes équipes. Ouais, c'est les mecs qui sont sur une bonne dynamique. Des cartes Pokémon comme nous, ça rigole pas. L'enjeu du match en fait en finale est trop dur, je pense trop élevé pour qu'on puisse le gagner franchement en finale. En plus là on fait des one shots, c'est-à-dire que là on le fait quand on va pas faire 10 000 finales jusqu'à ce qu'on la gagne. On donc pas 10 prises, voilà, c'est en direct depuis le début de la vidéo, ça, donc
C'est pas grave, c'est une défaite. Il fallait pas jouer contre l'équipe, mais il y avait que lui à cette heure-ci, donc voilà quoi. Moi je m'en fous. Après, le prochain épisode, donc on fera un épisode classique. Après, on jouera contre vous, abonnés. Et là, on pourra gagner. Là, je pense que ce sera amusant aussi de découvrir vos équipes et puis de s'amuser. Hein. Exactement, non, mais ça, on pourra dire voilà. Il nous montre ce qu'on ne gagne pas, naturellement. Non, mais ce sera bien de jouer contre les abonnés aussi, de voir un peu leur équipe et leurs choix qu'ils ont fait. Donc on essaiera peut-être au prochain épisode de choper des mecs en plus. Hein, on verra. Notre objectif, c'est d'avoir Pato aussi en attaque. En buteur, en fait, je pense que je vais pas vendre Montolivo, mais je vais remplacer Montolivo par Marquisio et ouais. En fait, l'équipe type c'est Lucas, je vais mettre à la place de Marquisio, la place de Lucas, je vais mettre Boateng. Ouais, Boateng, ouais. Et après Hulk à la place, je vais mettre Pato à la place ou Wagnerov à la place. Ouais. Et Armero, je vais mettre Marcelo. Voilà. Bon, on va voir. Thiago Silva, il manque encore quelques joueurs. Thiago Silva et Ibrahimovic, il manque. Voilà, quelques millions d'euros, mais comme on. Le temps de faire chauffer la CB, c'est bon. Quoi. On joue normalement, on a pas du tout cette mentalité de FIFA Point. En fait, nous, on comprend vraiment pas pourquoi les gens, en fait. On a autant. N'ont pas de difficulté, en fait, à claquer plusieurs quinzaines d'euros par semaine avec des FIFA Points. Non, mais c'est ça, c'est n'importe quoi. C'est quand même assez hallucinant, je trouve, de voir ce genre d'attitude. Alors, c'est tout bénef pour IA, parce que. Ouais, mais à chaque fois, du virtuel, hein, ils se font de l'argent avec du virtuel, c'est ouf. Hein. C'est vrai que l'argent coule à. Florent, les mecs ne font que ça quoi. Donc voilà l'équipe de la semaine. Donc on voit quand même qu'il y a deux Barcelonais, voilà. Il y a deux Mancuniens, ouais. Il y a un petit Milanais et il y a deux Spartak Moscou. C'est CSKA Moscou. CSKA Moscou, ouais, effectivement. Il y a un roux, hein. C'est le roux, regarde, le roux. Ok, d'accord. Voilà, c'est pas l'Ajax, lui. Ah non, c'est pas lui, non, je comprends. Non, tu comprends. Ouais, il y a un de comme ça aussi. Donc voilà. L'équipe de la semaine. Et j'en suis sûr que Montolivo là il doit quand même valoir pas mal d'argent. Les joueurs rares, de toute façon, parce qu'il y a des mecs qui visent que des équipes rares. Oui, on avait eu Gignac, un rare. Attends, on va aller voir, attends, en échange, je vais juste aller voir. On avait eu Gros Gignac en rare. Et... On va voir comment il vaut Montolivo en rare. Hop, là, on va faire rond maintenant. Alors, on va voir s'il y a Montolivo en rare, on met milieu. Milieu. Donc italien, il y a que des italiens. Attention, oui, ça c'est un faux filtre hein, pour Milan AC en fait. Hein. Alors. Je veux juste voir, oh là, c'est un MC, donc on va remettre un MC. MC. Alors vas-y, notre ami Montolivo. Bon, une défaite un peu abusée quand même, mais bon, on aurait pu. Ouais. Vous savez qu'on aurait peut-être pu. Oui. On aurait peut-être pu gérer. L'enjeu paralyse pas mal quand même en vidéo. Oh, mais putain, mais ça m'a tout. Mis... Ah putain, oui, ça m'a tout. Ouais, tout effacé. D'accord. Ouais. Allez, vas-y, fais la Italie. Parce qu'on n'était pas tôt en milieu central, mais que se passe-t-il quoi. Alors. Bon, il n'y a pas Montolivo. Ils le vendent pas en rare là. Attends, peut-être, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup donc. Donc tu vois, si on vend notre Chirino, t'as qu'à mettre plus de 5000. Ah, hein, t'as qu'à mettre plus de 28 000, mais plus de 10 000 dollars. 10 000 crédits, peut-être qu'on trouvera le rare qui a pas parlé. T'as raison. Essaye de mettre un prix minimum d'achat de 2 000 dollars, comme ça il y aura peut-être le joueur rare. Hein. Donc on a vu Gignac le gros hein, quand on l'a dit. C'est hein, vrai quand même que c'est sur Football Ultimate Team, si on peut faire un débrief, c'est que c'est un peu quand même débile cette histoire d'argent dans le jeu vidéo là. C'est non seulement il y a les FIFA Points, et en plus il y a les prix exorbitants de certains joueurs qui ne valent rien finalement. Ben, putain encore. Non mais c'est parce que c'est des rageux qui mettent des joueurs à ce prix. Il y a même pas de Montolivo rare. Personne n'a encore droppé Montolivo rare. Ok. Ou alors personne, enfin le vend pour l'instant. Quoi. Il y en a seulement un ou deux qui l'ont droppé. Attends, il vient de sortir quoi avant-hier ou hier l'équipe de la semaine. Donc c'est rare de dropper les mecs. On en a eu un une fois. Attends, j'ai envie de montrer un truc. Vas-y montre. Et après on arrête. Montrer l'absurdité. Du comportement de certains joueurs. Alors, hop. Je vais vous montrer quoi, Soko, qui est de France, vaut 4 milliards là. Ah oui, notre ami, bah lui c'est pas 10 000, mais tu peux mettre en minimum. Hein. Voilà, donc en carte rare, voilà le prix. Voilà. Donc, je sais pas. Qui peut payer quoi. Qui a envie de lâcher 1 million de crédit, 1 300 000 de crédit, tu vois, 700 000 là. Je veux dire, ça sert à rien. Le joueur, tu sais, le joueur il sert à quoi. Juste pour l'avoir dans son équipe. Non, pour l'avoir en rare. Ouais, mais. Parce qu'il a juste un point de plus, il a rien du tout en plus, hein, en fait. Les tirs, c'est un passe. Si vous tâtez des petits Brésiliens, des petits joueurs, comme mais ça, oui. On peut se faire des petites équipes pour vraiment pas cher. Non, mais les gens sont trop attachés au nom de la personne. Là, bon, j'ai mis 6-0, mec, qui avait Messi. Mais bon, le mec qui avait Messi, peut-être qu'il avait droppé, toi, j'espère pour lui. Parce que s'il a acheté Messi et qu'il prend 6-0, quand même, le mec, faut qu'il se pose en question, quoi. C'est comme les mecs qui font maman, de moi de la l'oseille hein. pour j'ai l'équipe de la semaine. Et puis finalement, le mec, tu sais pas jouer, tu lui mets de branler. C'est comme quand on avait fait le premier épisode où on avait tombé contre une équipe full. FIFA. On aurait pu le battre, hein, mais parce qu'il savait pas jouer. Mais c'est un peu le problème. Faut que... Autant avant pour acheter des packs pour quelques euros, mais là je trouve en fait avec les FIFA Points, en fait tu gagnes plus t'en mets, en fait plus tu gagnes des FIFA Points en réduction.
Et je trouve que c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que les mecs, mais en vidéo, on voit des mecs qui n'hésitent pas à mettre 3-4 000 free points. Donc c'est super, c'est quand même une somme d'argent. Ça sert à rien. Et ils ouvrent 40 minutes de pack. Après, et, voilà, si t'as vraiment plein d'argent à gaspiller, franchement, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Mais ils inondent le marché quand même. Le problème, c'est que ça inonde le marché, ça fait des prix exorbitants et ça fait que les gens, les joueurs ne valent rien. Sauf quand après, t'as les 5 après, joueurs. Après, je suis persuadé d'une chose, parce que regardez le bilan de nos matchs, 226 victoires, 52 matchs nuls et 168 défaites. Pas mal joué, quoi. Pour tous ces matchs là, je pense que je peux vous assurer que des packs or à 7500, j'ai dû en ouvrir plus de 200. Ah ouais. Et ben, j'ai jamais eu de gros joueurs. Le plus gros, donc, c'est Hulk. Hein. L'avait dit en idée générale, oui. Enfin, en moyenne, donc c'était 86 avec Di Maria aussi. 86. Ouais, exactement, et Eto'o aussi, mais sinon rien quoi, rien. Et donc, je suis sûr d'une chose, c'est qu'avec les FIFA Points, en fait, tu drops des joueurs beaucoup plus rares. Largement, c'est obligé que. Je suis sûr qu'en fait, pour amortir les FIFA Points. Au bout de 3 FIFA points, tu peux choper un Messi ou un joueur avant qu'il drop Robinho. Minimum Robinho, les mecs. Donc, à moins que les mecs ils fassent des vidéos sur YouTube avec leur pack opening, là, avec les FIFA points, peut-être qu'en fait ils ouvrent. Ils mettent vraiment des centaines d'euros de FIFA points. Ouais. Et du coup, en fait, ils ouvrent tellement de packs. Déjà, ils mettent pas leur argent parce que la plupart ont des cartes payées par Microsoft, mais c'est un autre problème aussi. Hein, mais bon. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit quatrième épisode où on a quand même droppé quelques donc, joueurs. C'est pas We Are the Champions, hein, le non, truc, apparemment. Bad beat, hein, je pense. Arsène Wenger, et ça c'est parce qu'on n'avait pas les mecs comme tu vois Diaby, tout ça, les mecs qui jouent à Arsenal quoi, comme on dit à chaque fois. Même voilà, si ça... on vend ces 2-3 joueurs, ça peut oui, le faire. Oui, ça peut le faire, ouais. En tout cas, voilà, match assez sympa. Je trouve qu'on a essayé de faire cet épisode d'une finale de coupe. Vous avez vu que c'est quand même très dur parce qu'on joue à deux en finale, en vidéo. Le mec est vachement concentré parce que sa finale c'est super important. Je vais essayer de la gagner en off et puis voilà. La semaine prochaine on fera un dernier match en D1. Et après on vous On affrontera les abonnés, on fera ça pendant 4-5 épisodes et puis après on arrêtera Ultimate Team. Voilà. Parce qu'on a autre chose à faire. Bah oui, ça permettra de laisser les places. Et puis après, nous vous savez, on fait des vidéos. Genre, tant que ça nous amuse, on le fait. Après, quand ça nous amuse, on va pas se forcer non plus pour faire le buzz. Oui, comme on aura fait là entre 6 et 8 épisodes de chez Ultimate Team, c'est vraiment largement suffisant, je trouve. Et puis ça permettra de un autre créneau pour se reposer ou pour faire d'autres types de vidéos. Il y en a d'autres jeux à faire. Exactement. Jeux, mais en tout cas, c'est un concept quand même, je trouve qu'on est très très bon. Non, c'est amusé, franchement, c'était sympathique. Hein. On va faire encore quelques épisodes et puis c'est vrai que c'est assez marrant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est triste de voir là, non seulement la communauté. Mais là, on voit à partir du 4 qu'on arrive un peu à bout de souffle, au bout du concept parce qu'en fait, il y a une trop grande scission entre ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent. Quoi. C'est-à-dire que. Vous avez vu, comme tu l'as dit, t'auras 500 matchs, 300, 400 matchs, et on n'a jamais droppé de grosses stars. Et pourtant, on en a passé des soirées à ouvrir. Oui, je sais pas si on peut aller pécho les trophées, là, j'ai récupéré des trophées, attends. Oui, mais je sais pas, mais là, ces trophées, c'est rien par rapport à ce que c'est vraiment passé, c'est qu'on en a ouvert, mais... 200, 300, à 7500, alors, le roi du pack, j'ai ouvert 500 packs. Mais largement plus, c'était le 9, il y a 10 jours, le roi du fut. T'imagines 10 jours. Il y a 10 juillet maintenant, je peux vous dire que ça fait bien lurette quand même qu'on a fait plus que ça. Hein. Réussir un défi football. Quoi, okay, donc, ouais. J'ai des packs, j'en ai ouvert presque 200, donc ouais. C'est triste de voir. Bon, voilà, bon, après, je m'en fous, moi je suis pas là à choper des meilleurs joueurs du monde. Je joue pour amuser, moi j'ai une bonne équipe, mais bon, encore ça aurait été marrant joueurs, que, comme voilà, dans quoi. Borderlands 2 par exemple, quand tu joues, tu drops des armes sympas. Mais attends, là, on vous expliquera dans le prochain épisode de. De Borderlands 2, comment on fait pour dropper des armes de ouf, ouais. Parce qu'on est que niveau 19-20 et on a récupéré des armes quand même qui sont quand même assez efficaces. Hein. Ah ouais, elles sont très très bon. On peut dire qu'on passe notre temps à la machine. C'est comme une machine à café, on y passe. Allez, donc on vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 5. Ce sera le dernier épisode où on jouera tous les deux comme ça tranquille et après on affrontera des abonnés. Ouais. On sera à l'occasion de présenter des équipes à thème d'abonnés. Donc n'hésitez pas à préparer vos équipes et à postuler bientôt pour l'épisode 6 du coup. Hein. Bah, postulez pas tout de suite. Non, non, mais réfléchissez. On vous dira la semaine prochaine. Oui, on voit qu'on va se noyer des. Sinon, on va recevoir plein d'MP. Non. J'ai pas envie de les traiter maintenant. Exactement, mais en tout cas réfléchis, voilà. Allez, on vous dit à bientôt alors. Ouais, merci, au revoir. Au revoir.